Salut Mauricette, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci pour vos retours de la vidéo de hier, ça fait vraiment chaud au cœur. Vous avez décidé, vous avez voté pour que je fasse une vidéo 10 astuces confinement, les voici. La première astuce que j'ai à vous proposer, c'est la lecture. Grâce à la lecture, vous allez pouvoir vous échapper dans un monde merveilleux. L'astuce, c'est de vous mettre sur le rebord de votre fenêtre, regarder ce qui s'y passe, commenter les allées et venues de ces gens qui ne respectent pas trop le confinement. Oh Dieu, ce tiafeuille qui nous fait. Vraiment, hein, dommage qu'on ne puisse plus sortir. D'ailleurs, toi là en bas, rentre chez toi, vas-y. T'es royer ou bien? Toi aussi là, reste chez toi, hein, bien cloîtré à domicile. Un confinement, comme on dit. Ouais. C'est bon, prendre l'air, mais bon, hein. Voilà, ça va 2 minutes. Hein. Voilà, rentre chez toi. Rentre tes affaires et rentre chez toi. Une autre astuce, c'est de rêver. Posez-vous à un endroit et rêvez d'un sport que vous ne pouvez plus pratiquer à cause du confinement. Rêvez, rêvez. C'est beau de rêver, non? Prochaine astuce, je pense que vous la faites déjà tous, c'est de vous poser sur votre canapé et de mater des séries. Faites du binge série à fond. Pour passer sa journée sur Netflix, d'abord, mettez-vous dans un canapé confortable. Ensuite, prenez une bouteille de coca, zéro s'il vous plaît, des snacks, et ensuite, un bon plaid bien confortable. Et c'est parti. Une autre astuce que j'ai à vous proposer, c'est de faire le ménage, faire les affonds. Vous avez du temps, vous allez pouvoir même récurer des endroits inconnus de chez vous. Faut que ça brille. Et n'oubliez pas les plantes. La prochaine astuce, elle est pour tous les étudiants. Révisez, essayez de réviser. Bon, bien sûr, vous savez très bien que les profs et la technologie, ça fait deux. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer enfin à réviser d'ici un mois à peu près. Il faut que je branche le beamer à mon ordinateur. Je me connecte à ma session. Pas le bon mot de passe. Voilà. On m'a donné ce projecteur beamer qu'il faut que je branche à la prise secteur. Non. Non. Ah. Ah. Ah, ah oui. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je le branche quelque part sur mon ordinateur, je crois. Non. Ah. Ah, c'est long. Hein. Voilà. Bon, sur YouTube, je crois que c'est déjà la fin de la période. À la semaine prochaine. La prochaine astuce, c'est pour avoir un Summer Buddy 2020. Donc, prenez des objets, je suis sûr qu'avec, vous allez pouvoir faire du sport. Reste plus qu'à trouver la motivation. Allez. Voilà. Aussi, une autre astuce, c'est de chercher dans l'armoire à jeux. Tout le monde l'a chez lui. Et prenez un jeu et jouer en famille. C'est cool, non? Vous êtes passionné par le fromage, vous l'aimez, vous le désirez,
Maintenant, vous pouvez jouer avec le nouveau jeu La Route des Fromages, un tour de Suisse pour gourmets. La Route des Fromages, un tour de Suisse pour gourmets, disponible dans tous les kiosques. Une des meilleures astuces confinement que j'ai à vous proposer, c'est de vous prendre pour un grand chef. Faites comme dans Top Chef, revisitez des plats, des classiques. Et ça va être super pour toute votre famille. Depuis 11 ans, Top Chef est un révélateur de talent. Allez-y, prenez tout, hein. Oui, chef. Cette année est un nouveau tournant pour le concours. Une saison sous le signe de l'audace attend les candidats. Les saisons de Top Chef se suivent et ne se ressemblent pas. Attendez-vous à vivre une saison unique comme jamais vous n'avez vu. Et la dernière astuce que j'ai à vous proposer, c'est de continuer à regarder mes vidéos. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, abonnez-vous. Ciao, à demain !